shaky body. Busy body, busy body, busy family. Chop money, give me body. Make I make you feel, baby, baby, no my bicycle. Bicycle. We running the Porsche. Porsche. Baby, baby, no my bicycle. Bicycle. We running the Porsche. Porsche. Baby, baby, no my bicycle. Bicycle. Quoi est-ce que tu penses? Hey, la star du jour. Jeu d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Frère, on a bien dansé. Félicitations, ma chérie. Wow. Ouais. Oh mon Dieu. Oh. La plus belle femme. Et toi, et toi encore. Wow. Je ne peux même plus reconnaître ma maison. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup à vous, pour les la amis. Déco. Vous savez que nous pouvons faire n'importe quoi pour vous. Je suis vraiment excitée, vous savez, de vous recevoir une fois de plus ici. Et nous sommes ensemble ici depuis 2 jours, avant ce jour. Et finalement, nous sommes sur le point d'entamer une nouvelle année avec mon adorable mari. Alors, je sais que ça peut faire un peu enfantin. Comme c'est le dernier jour que nous passons tous ensemble, j'aimerais faire une petite chose pour mon mari Fémi. Ça concerne votre enfance. Enfance? Alors, il m'a dit que vous aimiez tous jouer à cache-cache. Oh, et j'ai dit... Oh. Alors, j'ai dû chronométrer mon téléphone du décompte de 1 à 6. Hélène, oh non, sera la non, première non, à chercher les autres. Allons, Fémi. Donc, je vais devoir éteindre la lumière. Après le décompte de 1 à 6, tu allumeras la lumière et tu nous chercheras. Maintenant, que le jeu commence. Ok, okay. Bien. Vous êtes prêts? J'éteins. Ouais, alors, que chacun de vous trouve sa cachette maintenant, car je viens pour vous. Je viens. Je viens pour vous. Vous feriez mieux de vous cacher. Allez, allez vous cacher. Bien, je compte maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. Hé, hey, Fémi, 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 viens, viens, je t'ai vu. Viens par là, je t'ai attrapé. Je l'ai attrapé, il était sur le point de fuir. Oh, Fémi. Oh, oh mon Dieu. C'était... Tu l'as bien eu. Oh, j'ai fait quelqu'un. C'est incroyable. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. C'était mon... C'était mon ami. J'aurais vraiment fait mon père. Pendant que les gens cherchaient à se cacher, je l'ai vu qui montait à l'étage. C'est très faux. Et je l'ai arrêté. Eh bien, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour... la fête surprise d'anniversaire et wow. Tu l'as eu. Je prie que nous continuions de demeurer dans l'amour et une minute, où est passé Edith? Pourquoi est-elle toujours grammatique? Où est ta femme? Je... Non. C'est rien, je suppose que je devrais non, la chercher. Non, ça va, c'est ok. Ne t'en fais pas. Je vais moi-même t'aider à la chercher. Il ne faut pas que les gens se foutent l'un d'eux. Allons, ne vous en faites pas. J'arrive. Où est-elle? Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière ici? Ah!
Elle est morte. Bébé. 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 Réveille-toi, bébé. Oh non, c'est... Non. Maintenant que le corps a été enlevé, veuillez accepter mes condoléances pour ce qui s'est passé ici. Et vu que cet incident est arrivé dans cette maison, je veux que vous soyez tous très attentifs. Soyez attentifs les uns envers les autres. L'un d'entre vous est le meurtrier. Et je veux que vous soyez d'accord avec moi afin qu'ensemble nous puissions résoudre cette affaire. Je suis vraiment très impatient. Très impatient de mettre la main sur celui qui a tué ma femme. Ok? Je suis très impatient de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter un tel acte. Mes hommes et moi serons ici avec vous jusqu'à ce qu'on arrive à attraper celui qui a fait ça. Qu'est-ce que vous racontez? Hein? Vous pensez faire quoi là? Je suis moi-même un enquêteur de votre unité. Ok? Je ne permettrai pas que quelqu'un d'autre que moi vienne ici pour trouver qui est le meurtrier de ma femme. En ce moment, personne d'autre ne pourrait faire le travail mieux que moi. Si j'applique le protocole, vous êtes un suspect. Vous êtes tous des suspects. Ok? Je suis le détective en charge de cette affaire. Si votre femme avait été tuée pendant que vous étiez occupé à jouer à ce jeu stupide, n'auriez-vous pas essayé de faire quelque chose d'utile pour trouver l'assassin de votre femme pour avoir en vous une certaine paix intérieure? N'auriez-vous vraiment pas fait ça? Je suis désolé, monsieur. Le plaignant ne pourrait en aucun cas être l'enquêteur. Vous le savez. Écoutez, allez juste vous coucher, d'accord? Allez tous vous coucher. Et dès demain matin, je veux que vous descendiez tous pour l'interrogatoire. Et je veux que personne ne tente rien de stupide. Alors personne n'entre et personne ne sort de cette maison. Ok? Aidez-moi afin que nous puissions attraper cette personne. Bonne nuit et merci. Zigabel, tu t'es levé si tôt. Oui, j'étais éveillé toute la nuit. Je n'ai pas pu trouver le sommeil. J'ai passé la nuit à penser, à pleurer, tu sais. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu dormir. En fait, qui aurait pu y arriver après ce qui s'est passé la nuit dernière? Faith, pourquoi un de tes frères aurait eu envie de supprimer Edith? Elle était ta femme, mais... Je suis presque sûre que tu la connaissais autant que nous. Edith était une source constante de problèmes dans cette famille. Si quelqu'un voulait sa mort, devine qui ça aurait pu être. Si je le savais, je ne te poserais pas la question. Moi. Moi. Bien qu'elle était ma sœur, je souhaitais qu'Edith disparaisse. Tu peux me dire pourquoi? Parce qu'elle était très fière, arrogante et bavarde. Elle se mêlait tout le temps de ce qui ne la regardait pas. Se vanter avec de l'argent comme si nous étions tous des vauriens. Écoute, Faith, je... Honnêtement... Écoute, la vérité c'est ceci. Si Edith n'avait pas été tuée hier soir, quelqu'un d'autre aurait essayé de... Quoi? Rien. Rien. Oublie, je n'ai rien dit. Zigabel... Sois fort. Nous pleurons tous. Je crois que vous avez tous eu de la peine à dormir la nuit dernière. Oui. Où étiez-vous caché? Dans l'une des chambres. C'était une de mes cachettes préférées. Avant de courir dans la chambre... Avez-vous vu Edith aller dans la cuisine?
Non, je ne l'ai pas vue. Vous savez, c'est au bon milieu du jeu. Et on cherche d'abord à se cacher. Avez-vous constaté quelque chose d'anormal? Aucun bruit? Non, pas du tout. C'était aussi calme que la nuit. Quelle relation entreteniez-vous avec la victime avant sa mort? Eh bien, nous n'avons jamais été très proches. Nous nous sommes toujours évités chacune. Donc... Et pourquoi cela? Parce qu'elle était toujours prête à détester, à critiquer ce que chacun de nous faisait alors. Je l'évitais toujours. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas eu un affrontement physique quelques heures avant sa mort? Non, nous ne l'avons pas fait. Peut-être que si on avait franchi la ligne, ce serait arrivé. Mais je ne l'ai même pas beaucoup remarqué. De plus, j'étais plus proche de mon mari. Quelle description faites-vous de la personnalité de la victime? Très scandaleuse, agaçante et fière. En fait, ça me fait mal de savoir qu'elle n'est plus là. Ça me fait mal. Y aurait-il une quelconque raison qui pousserait n'importe qui à la tuer? Je n'ai aucune idée à ce propos. Allez-vous me poser vos questions? Ou alors allons-nous juste rester là à nous fixer? Votre sœur. Comment étaient vos relations avec votre sœur? Très pauvre. Je restais loin d'elle, autant que possible. Et pourquoi donc? Pourquoi? Eh bien... paix à son âme. Mais Edith n'était pas le genre de personne avec qui on pouvait passer du bon temps. Sauf si, bien sûr, on voudrait passer une très mauvaise journée. Que voulez-vous dire? Elle voulait toujours se mettre à dos tout le monde. Et ça semble être son jeu favori, se mettre dans de beaux draps. Alors, c'était mieux de rester loin d'elle. Alors, avez-vous bagarré quelques heures avant sa mort? Non. J'étais plus concentrée sur mon apparence que sur la fête. Alors non, je ne me suis pas battue avec elle. Où étiez-vous caché pendant le jet? Sous le lit, dans la chambre à l'étage. Mais j'ai laissé la porte ouverte pour que ce ne soit pas suspicieux. Qui d'autre était sous le lit avec vous? Il n'y avait personne sous le lit avec moi. Il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Mais la personne s'en est allée avant que je ne sorte de ma cachette. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui, selon vous, peut avoir tué votre sœur? Vous savez, c'est une question vraiment difficile. Inspecteur. Tout le monde ici avait mille et une raisons de tuer Edith. Je l'ai vu avant que la fête ne commence. Quand je suis allé lui demander à manger parce que j'avais faim. Je l'ai vu, mais elle ne m'a rien donné. Oh. Baba Eko, je veux que vous réfléchissiez attentivement. L'avez-vous vu ou quelqu'un d'autre la suivre lorsqu'elle entrait dans la cuisine? Je veux que vous réfléchissiez. Inspecteur, je vous l'ai dit. Je ne pouvais pas réfléchir. Une personne qui a faim ne peut pas réfléchir ou se souvenir de quelque chose.
Je ne me souviens de rien, vraiment. Vous pouvez entrer ici, passer là et ressortir. Tant que j'ai faim, je ne peux pas me souvenir de quelque chose. C'est pour ça que je suppliais madame de me donner quelque chose à manger. Mais elle ne m'a rien donné. Vraiment, je ne l'ai jamais beaucoup aimé déjà. Ma femme se mettait toujours en colère à chaque fois que je m'approchais d'elle. Parlez-moi un peu de la relation entre la défunte et son mari. Selon moi, ce n'était pas une bonne. En fait, quand vous vous en approchiez, vous constatiez qu'il y avait tellement de différences entre les deux parties. Y compris votre femme? Oui, ma femme y compris. Est-ce que votre femme vous a parlé de quelque chose à propos d'elle? Ou de quelque chose que quelqu'un aurait pensé à propos d'elle? Non. Ma femme me parlait rarement de sa famille. Si elle était au courant de quelque chose, elle ne me l'aurait pas dit. Je ne sais pour quelle raison on aurait voulu la tuer. Je sais qu'elle avait beaucoup de défauts. Mais jusqu'à la tuer, c'est vraiment méchant. Comment décririez-vous, Edith? Elle était brave. Forte. Elle arriva à faire ce que personne d'autre n'avait le courage de faire. Comme quoi, par exemple? Elle se mêlait de la vie des gens. Elle était toujours en train de fouiner partout. Partout dans la vie des gens. Se serait-elle mêlée de la vôtre? Il n'y avait rien dans ma vie qui l'aurait amené à le faire. Et même si elle l'avait fait, je ne l'aurais pas dérangé parce que je ne le savais pas. Alors, de la vie de qui s'est-elle mêlée? Elle se mêlait de la vie de tout le monde. Et quand elle trouvait quelque chose, elle ne lâchait pas le morceau. Elle était très curieuse. C'était là sa faiblesse. Ok. Vous pensez que... qu'il s'agit d'un cas de curiosité qui a mal tourné? Le défaut de curiosité tourne toujours mal quand on découvre une vérité que l'on ne peut pas garder pour soi. Et dans ce cas, je pense que le curieux a découvert quelque chose de gros qui a causé sa mort. Honnêtement, je n'ai rien remarqué d'inhabituel à propos d'elle. Elle était très énergétique pendant la soirée, même avant l'incident. Comment décririez-vous la relation entre elle et son mari? Étonnamment belle. En fait, ils ne se sont jamais disputés, comme pour Edith et toutes les autres personnes. Zigabelle la comprenait toujours mieux que ses frères. Alors, est-ce qu'il s'est bagarré avant l'incident? Pas du tout. Ils ne se sont pas bagarrés, pas en ma connaissance. Inspecteur, vous savez, des fois je me dis que Zigabelle est trop bien comme mari pour avoir une femme comme Edith.
Je veux dire qu'elle est totalement son contraire. Elle est arrogante. Elle est trop fière. Elle aime se faire voir et elle fait chier tout le monde. Toujours. Alors, pourquoi pensez-vous qu'elle a été tuée? Je pourrais dire que cela m'importe peu. Mais parce que j'ai beaucoup de respect pour les morts, je voudrais bien y répondre. Vous savez, si je devais penser à quelqu'un ou pourquoi quelqu'un voudrait la tuer, je penserais à 1001 personnes. C'est pour ça que nous sommes ici. Qui par exemple? Elle fouinait partout. Rendait vraiment la vie misérable à tout le monde. Et aussi, bien sûr, elle emmerdait tout le monde intentionnellement. D'une façon dont elle seule savait bien le faire. Des gens comme qui, Anita? Vous? Votre mari? C'était vraiment futé, inspecteur. Mais mon mari et moi, nous ne sommes que deux sur plusieurs personnes qu'elle rendait intentionnellement fou chaque jour. Je vous l'assure, elle rendait fou tout le monde, je veux dire chaque personne. Merci, vous pouvez partir. D'accord. Je sais, Monsieur Zigabel, que c'est un moment très délicat pour vous. Oui, je comprends. Mais je dois faire mon travail. C'est la procédure. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je dois interroger tout le monde. Poursuivez. Vous êtes un inspecteur de police, donc vous pouvez bien le comprendre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui, je comprends très bien. Je comprends que vous ne faites que votre travail. Parfait. Jusqu'ici, j'ai pu interroger tout le monde. Et personne n'est tombé d'accord sur le fait que durant le jeu des cache-cache, ils se sont cachés dans la cuisine. Tout le monde s'est caché à des endroits différents, d'après leur déclaration. Mais je pense qu'ils ont de la peine à comprendre que être à la cuisine ne fait pas de quelqu'un un coupable. Ouais, bien, je me suis caché derrière la porte et c'était le seul endroit où je pouvais me cacher. J'ai toujours été vraiment très nul à ce jeu. Par contre, elle a toujours été la meilleure à ce jeu, vous savez. De l'endroit où vous étiez caché, ce n'était pas bien loin du lieu du meurtre. Avez-vous entendu un bruit? Des signes de lutte? Des bruits de pas? N'importe quoi, en fait. Non. J'ai toujours détesté le jeu de cache-cache. C'est un jeu vraiment très compliqué. Je me concentrais sur la voix qui pouvait me retrouver, puis c'est tout. Par contre, je n'ai entendu aucune autre voix, je n'ai entendu aucun bruit, je n'ai rien entendu du tout. La relation avec votre femme, comment était-elle? Vous êtes-vous battu quelques heures avant le jeu? Non, non, non. Nous ne nous sommes jamais bagarrés depuis que nous sommes ensemble, d'accord? En fait, avec ses frères et sœurs, elle pouvait être vraiment très folle. Mais en réalité, c'était une personne vraiment très calme. Ils avaient vraiment, vraiment des difficultés à la comprendre. Je sais que par moments, elle avait des difficultés à se comprendre elle-même. Moi, je la comprenais parfaitement. Oui, donc nous avons toujours été très cool. Nous n'avons jamais bagarré. Est-ce qu'elle vous avait déjà dit quelque chose d'étrange? Est-ce qu'elle était paranoïaque? Paranoïaque? Non. Edith faisait partir des personnes les plus fortes qu'il m'a été donné de rencontrer. Elle n'a jamais été paranoïaque. Et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle, j'étais la première personne à le savoir, vous comprenez? Auriez-vous une quelconque idée de pourquoi quelqu'un voudrait tuer votre femme? Malgré le fait de tellement y penser et de remuer tout ça dans ma tête, et croyez-moi, j'y ai vraiment pensé, je ne sais vraiment pas pourquoi quelqu'un voudrait la tuer. Je n'y arrive pas.
Pourquoi est-ce que quelqu'un l'aurait tué? C'est la question que je n'arrête pas de me poser. Contrôle tes paroles, Fate. Tu parles à mon mari, le propriétaire de cette maison. C'est quoi ce genre d'accusation? C'était ici. Je l'ai vu, un couteau plein de sang. Ça doit sûrement être l'arme que le meurtrier a utilisée. Mais voyons, inspecteur, je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vu. Voyons, Femi, il n'y a rien là. En fait, regarde comment c'est propre. Il n'y a rien là. Donc vous avez déduit que j'ai laissé le couteau plein de sang sur mon lit, ouvertement, afin que tout le monde puisse le voir et je suis allée en bas. Vraiment? Vous pouvez faire mieux que ça. Voyons. Femi, je comprends très bien ce que tu ressens exactement et ce que tu traverses. Je ne comprends pas du tout. Je sais ce que j'ai vu. Je ne suis pas fou. Écoutez, s'il y a quelque chose, ne vous inquiétez pas, je vais la trouver. D'accord? Je ne doute pas de vous. Ok. Mais nous avons fouillé tous les recoins de la maison. Et nous n'avons rien trouvé. Vous avez peut-être vu des choses. S'il y avait quelque chose là-bas, il y aurait au moins des traces de sang. Mais il n'y a rien. Écoute, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'était placé là. Je l'ai vu. Il était plein de sang. Monsieur Femi, tout le monde dans cette maison a été interrogé. Tout le monde, excepté vous. Et vous êtes le seul à avoir vu le couteau. Voulez-vous rester ici à me poser des questions non fondées au lieu d'aller chercher le meurtrier qui se trouve dans ma maison? Tout au long de mon travail, j'ai pu voir des criminels qui ont essayé de créer la confusion juste pour éveiller des soupçons sur eux-mêmes. Inspecteur, qu'est-ce que vous essayez de dire? Rien du tout. Rien, monsieur Femi. Rien qui ne soit ordinaire. Qui aurait pu faire une chose pareille? Hein? Fate, que t'est-il arrivé? Je t'ai trouvé étalé au sol, avec du sang. Dites-nous ce qui s'est passé. En fait, que vous est-il arrivé? Regardez votre poignet. Vous avez mal? Je ne sais pas. Je faisais du rangement dans ma penderie.
buvant de l'eau et je m'occupais de mes affaires quand quelqu'un s'est accroché à mon cou et a essayé de m'étrangler. Ah ! Oh mon Dieu, laissez-moi ! Laissez-moi ! La seule chose que je veux connaître maintenant, c'est la personne qui lui a fait ça. Tu vois, c'est le seul moyen pour moi de pouvoir fermer les yeux et de trouver la paix intérieure. Je ressens ta douleur. Je suis désolé. Dis-moi, tu penses que qui l'a fait? Hein? Nous étions tous entassés dans cette salle cette nuit-là quand c'est arrivé. Tu penses que... qui avait des raisons de faire du mal à ma femme? Écoute, si on me le demandait... je dirais Hélène. Hélène? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle aurait... Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. La police fait toujours les tours dans la maison. Personne ne va nous entendre. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Pour se venger. Tu sais, Hélène n'est pas aussi gentille et douce qu'elle prétend l'être. Elle est artificielle et forte. Comme sa sœur Edith. Elle a promis une fois à Edith de se venger. Mais se venger, pourquoi? Edith a trouvé quelque chose sur elle il y a quelques mois. Uh-huh. Tu sais que Hélène est mariée à Evans depuis 4 ans maintenant. Ouais. Mais écoute, elle a un grand secret. Elle traîne avec un vieil homme qui lui donne assez d'argent. Et entre-temps, elle est tombée enceinte de lui et a menti à son mari que c'était lui le père. Donc, cet enfant est aujourd'hui âgé de 3 ans et... Edith nous l'a confirmé. Et chemin faisant, elle a menacé Hélène que si elle ne dit pas cela à son mari, elle le fera elle-même. Et tu sais que ta femme ne plaisante pas. Et elle a également... elle lui avait donné un délai de 3 mois. Après cela, elle le dira à son mari, sauf si Hélène l'avoue toute seule. Alors quand est-ce que les 3 mois finissent? Quand est-ce que le délai arrive à expiration? Aujourd'hui. Un jour après mon anniversaire, Zigabel. Tu vois, pour quelle autre raison quelqu'un d'autre voudrait la tuer? C'est juste parce qu'elle refuse de se mêler de ses propres affaires. Qui d'autre aurait pu découvrir quelque chose de pareil et finir avec elle? Crois-moi sur parole, tu ne connais pas ta femme. Oh mon Dieu. J'ai parlé avec Angel aujourd'hui. Ta mère la gâte vraiment. Eh ben, c'est mieux de la savoir loin de cet endroit avec autant de risques. Je le sais, d'accord? Bien. Bébé? Ouais. J'aimerais te parler de quelque chose. À propos de... C'est à propos de ce secret que je connais. Personne d'autre dans cette maison ne le sait, sauf moi. Est-ce en rapport avec ce qui est arrivé à Edith? Je ne sais pas, ça pourrait l'être. Je sais qu'il y a tellement de secrets ici et là. Mais celui-ci, je ne sais pas si quelqu'un d'autre est au courant. Si Edith savait que je le connaissais et que je n'ai rien dit, j'aurais été dans la merde. De quoi es-tu en train de parler? J'ai découvert il y a quelques années que l'un d'entre nous n'est pas l'enfant biologique de notre père. De quoi parles-tu, Hélène? Eh bien, je ne sais pas. Mais feu parents étaient de fervents croyants. Même s'ils étaient pauvres avant, c'était vraiment de très bons croyants. Bien. Ma mère était une choriste. D'accord. Elle chantait soprano. Alors, mon père l'a encouragée à utiliser son don pour la musique, pour servir Dieu à l'église. Et elle a accepté. Mon père l'a soutenue entièrement. Mais aucun d'eux ne savait ce qui arriverait. Ma mère est tombée enceinte de quelqu'un d'autre à l'église. D'où Jésus? Laisse-moi deviner. Le chef de cœur.
J'ai aussi pensé à lui, jusqu'à ce que je tourne la page suivante du journal. C'était le pasteur. Oui. Ma mère était enceinte du pasteur. Oh mon Dieu. Tu me fais marcher là. Non, non, je ne te fais pas marcher. Mon père ne l'a jamais su. Il nous a tous traités de la même façon et il nous a tellement aimés. Ma mère ne lui a jamais rien dit. Alors, donc, c'était... Qui est cette personne à qui elle a donné naissance? C'était... Ce n'était pas dans le journal. Je ne sais pas. C'est comme si quelqu'un a déchiré la page. Donc, je ne sais pas. Bébé, ça pourrait être une piste, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Je suis juste... C'est vraiment drôle. Avec personne dans cette maison. Je comprends. Mais Evan m'a vu sortir de ta chambre. Alors, même si je suis le tueur, je n'oserais pas être avec toi. N'es-tu pas d'accord? Evan est ton mari. Et à ce que je sache, vous pouvez être dans le coup tous les deux. Peu importe. Qu'est-ce que tu veux? Alors... Comment te sens-tu? Aussi mal que j'en ai l'air. Ne trouves-tu pas cela étrange? Vois-tu, à peine tu me dis que tu sais qui est le meurtrier, tu as soudainement été attaqué. C'est Femi. Femi a dit qu'il allait me faire la peau. Il fait ça parce qu'il veut me faire partir d'ici. Et si c'était toi qui étais derrière tout ça? Donc tu penses que tu es intelligente, Faith. Donc soudainement, après que Femi a dit avoir vu un couteau ensanglanté dans ta chambre, tu as survécu à un étranglement. Et on t'a blessé au poignet. Voyons, chérie, tu n'es pas aussi intelligente. Voyons. Quelle preuve tu as? Eh bien, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Pourquoi pas? Pourquoi n'es-tu pas la suspecte? Oh, tu penses que tu peux juste aller et accuser qui tu veux si tu le souhaites? Pourquoi n'es-tu pas la suspecte? Salut, Sœurette. Oui. Qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Il y a quelque chose qui me dérange depuis un temps maintenant. Écoute, ça, ce n'est pas le moment. Ok? Nous sommes tous ici pour nous détendre et préparer l'anniversaire de Femi. Ne viens pas gâcher l'ambiance. Lève-toi simplement et va-t'en. Je m'en fiche de ce que tu penses, Hélène, d'accord? Je veux juste que tu fasses ce qui est correct, d'accord? Parle à ton mari de... À propos de quoi? Pour l'amour de Dieu, j'aime mon mari, Edith. Je l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Que je suis désolée parce que l'enfant qu'il aime tellement n'est pas de lui? C'est ce que tu veux que je dise? Tu peux le dire comme ça, d'accord? Et puis c'est tout. Oh, c'est la vérité et elle doit être connue. Grand comment? Evan me tuera s'il venait à l'apprendre. C'est quoi ton problème? Je sais que j'ai fait une erreur, mais c'était dans le passé. Oublions ça et avançons. Non. Les méchants n'avancent jamais. Sauf s'ils sont punis, d'accord? Tu n'as pas juste commis une erreur, Hélène. Tu continues dans cette lancée. Je veux dire, ce jeune homme t'aime. Il a payé pour toi. Donc, la seule manière pour toi de le remercier, c'est de partager ton intimité pour laquelle il a payé avec une vieille chose. Je veux dire, pense-y. D'accord, c'est tellement injuste. Injuste? En quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Qu'est-ce que tu entends par injuste? Est-ce ton problème? En quoi ça te regarde particulièrement?
après tout, il s'agit de ma famille. En quoi ça te regarde? En quoi? Dans une famille, il ne devrait pas y avoir de secret, Hélène. Je t'accorde 3 mois. Tout ce que tu as à faire, c'est d'en parler à ton mari. Après, tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Maintenant, écoute-moi et écoute-moi très bien. Je ne sais pas qui t'a demandé de vouloir toujours contrôler ma vie. Et je ne sais pas qui t'a fait maudit de ne jamais t'occuper de tes propres affaires. Mais tu sais quoi? C'est juste des foutaises. Tu vois, toutes ces sottises que tu fais là, ça va bientôt s'arrêter. Très, très bientôt. Ah, c'est une menace? Non, ma chérie, ce n'est pas une menace. Je suis très sérieuse là-dessus. Tu devrais avoir peur. Tu es avertie. Je n'ai pas peur de toi. Et étant donné que tu ne veux pas parler de cela à ton mari, peut-être je devrais t'aider à le faire. Quoi? C'est quoi cette... Ah, mais comment cette fille a-t-elle fait pour être ma sœur? Quel est ce genre de problème? Ma chérie, tu devrais avoir très très peur de moi. Très très peur. J'ai écouté par hasard ta conversation avec Edith ce jour-là. Écoute, ceci n'a rien, rien à voir avec sa mort. Oh oui, ma sœur chérie. Ceci a tout à voir avec sa mort. Aux dernières nouvelles, faire une menace de mort à quelqu'un qui a quelque chose de vraiment sale sur toi, et que cette personne se fasse tuer après d'aussi vives disputes, c'est vraiment suspect, Hélène. Tu n'oseras pas me faire chanter avec ça. Le feras-tu? Bien sûr que non. Je ne veux pas que ton couteau soit planté dans mon cou. Espèce d'idiote. Pourquoi n'êtes-vous pas couché? Vous m'avez dit que si quelque chose me revient, que je vous le dise, n'est-ce pas? Et de quoi vous rappelez-vous? Edith savait quelque chose au sujet de l'un d'entre nous. Un secret. De qui? Faith. Quand Faith était âgée de 17 ans, elle avait fui la maison. Nous l'avons cherchée partout. Mes parents l'ont cherchée partout et personne ne savait où elle était. Et puis, après un moment, elle fut retrouvée par la police qui la ramena chez nous. Mais vous savez, ni mes parents, ni Faith n'ont jamais mentionné ni parlé de ce qui s'était passé pendant toutes ces années où Faith n'était pas là. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ok, alors, avez-vous eu la chance de savoir ce qu'Edith avait découvert? Faith est une perfectionniste, tout comme l'était Edith. Elles aiment toujours humilier les autres pour leur mauvais acte. Faith, non, fait toujours comme si elle était parfaite. En fait, laissez-moi juste vous dire ce qui s'était passé. Elle était enceinte. Elle avait été violée et elle est tombée enceinte. Elle n'a pu le dire à personne. Alors, je suis sûre qu'à cause de la honte ou de la peur de se faire punir par les parents ou autre chose, elle a fui de la maison. Ah. Oui. Edith a découvert cela? Oui, bien sûr, Edith l'a découvert. Et puis, elle a finalement eu un enfant quand elle s'est enfuie. Mmh. Oui, elle a eu un enfant. Elle n'a pas ramené cet enfant à la maison et mes parents ne l'ont jamais su. D'une manière ou d'une autre, Edith l'a su et l'a menacée en disant qu'elle raconterait tout à tout le monde. Alors, qu'est-ce que Faith a fait? Faith a promis de s'en prendre à elle. Quelques jours plus tard, elle est morte. Pourquoi es-tu si triste? Hein? Je t'ai dit plusieurs fois que ce n'est pas bien pour toi. D'accord, tout va pour le mieux. Et tout ira bien, tu verras. Vraiment? Ou alors c'est le mensonge qu'on n'arrête pas de se dire. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Et il n'y a pas d'issue. Oui, bébé, écoute, le simple fait qu'on ait failli avoir un bébé veut dire que nous en sommes capables d'un point de vue médical, ok? C'est juste pas encore le moment. Mensonge. Ce sont des mensonges qu'on se dit juste pour se consoler. D'accord? Je veux dire, il est temps pour nous de faire face à la vérité, d'accord? Il y a forcément quelque chose qui ne va pas avec nous.
Je veux dire, tu ne peux pas faire 9 mois sans tomber enceinte. Bébé, nous avons presque eu un enfant. Ouais. Nous étions à deux doigts d'avoir un enfant. Oui, jusqu'à ce qu'il meure dans mon ventre et qu'on soit obligé de l'enlever. Il n'est même pas resté assez longtemps pour que les gens voient que j'étais effectivement enceinte. Maintenant, tout le monde pense que je suis cette provocatrice stérile qui ne peut pas rester loin des affaires des autres. Non, ma chérie. Non, mon cœur, écoute. Ok, nous avons été ensemble pendant 3 ans. Il y a encore beaucoup d'années à venir, ok? Tu dois vraiment te ressaisir. Ton frère a besoin que tu sois forte pour son anniversaire. Tu le sais, n'est-ce pas? Écoute, ce bébé était mon unique espoir, chérie. Mon unique espoir. Ça ira. Ça ira. Tout ira bien, ma chérie. Tout ira bien. D'accord? Nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Beaucoup de temps. Tout ira bien. Je ne voulais pas te déranger pendant des moments privés. Je suis désolé. Oui, je sais. T'en fais pas. J'en ai suffisamment des moments privés, donc... mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Je ne pouvais pas dormir, malgré mes efforts. Donc, je suis venu ici en bas pour me libérer un peu l'esprit, tu vois. Tu sais, je me demande ce que je ferais sans ma femme, ma petite fille. Je me demande ce que je ferais si quelqu'un la faisait du mal. Tu sais, Edith était une femme vraiment rude, mais elle était aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Je sais que ça peut être difficile pour vous de voir ça, mais c'était une femme vraiment très gentille. Elle faisait face à tellement de choses, mais essayait de garder la face devant tout le monde. Ouais, je comprends. Tu sais, elle avait beaucoup d'ennemis, Zigabel. Ouais. Oui, j'imagine à quel point, mais tu dois savoir quelque chose, n'est-ce pas? Tu viens de dire qu'elle avait de nombreux ennemis. Je veux dire, qui étaient ses ennemis? Tu dois les connaître mieux que moi. Ouais. Tu sais... Je n'étais pas supposé te dire ceci, mais... Commençons par Femi. Femi? Ouais. Écoute, hormis le fait que je ne l'aime, mais alors pas du tout, je ne la tuerai pas, et ma femme non plus. Mm-hmm. Mais Femi, il a cette rage qui le qualifie. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Si tu le fais chier, il te poignardera en face, ou alors tu ne verras pas venir. Et Edith l'a emmerdé, tu crois? Si Edith l'a provoqué, alors crois-moi, ça ne serait pas bien terminé. Le repas est prêt. Oui. Alors... Allons-y. Anita, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu dois goûter à cette nourriture avant de servir n'importe quel plat sur cette table. Je ne te saisis pas là. J'ai cuisiné cette nourriture. Il n'y a rien dedans. Alors, c'est censé me rassurer. Je ne fais confiance à personne. Goûte ça. Mais c'est... Cette femme a toujours été celle qui prépare la nourriture chaque fois que nous sommes ici. Pourquoi elle... Evans, si tu lui fais vraiment confiance, tu n'as qu'à goûter la nourriture qu'on voit. Assez de ces idioties. Mais c'est pas vrai. Allez voir, arrêtez ça un instant. Voyons. Tu ne peux pas dire ça en espérant que nous soyons rassurés. Mm-hmm. Alors que nous sommes là à manger avec un meurtrier. J'en ai marre. Assez de ces imbécilités. Vous pensez que moi, Anita, j'ai empoisonné la nourriture alors que nous avons la police partout ici? Allons, réfléchissez. Quelqu'un a été tué. Je ne pense pas que nos sens aussi ont été tués. Anita. Oh, s'il te plaît. Alors, si vous n'avez pas confiance en cette nourriture, vous allez rester ici et mourir de faim jusqu'à ce que nous soyons tous libres de partir d'ici. Vous devriez vous calmer, ok? Je te demande juste de te calmer. Je veux que tu te mettes à la place de tout le monde dans ce genre de situation. D'accord? Le tueur n'a laissé aucune trace.
aucune arme du crime. Non, non, je pense que ce serait maladroit pour toi de tout gâcher en voulant empoisonner la nourriture maintenant. Tu sais, quel qu'en soit le cas, moi, je te fais confiance. Je m'en tape. Je suis fatiguée. Faith n'a pas confiance en cette nourriture. Je pense que nous devons lui prouver que c'est faux. Bien sûr, allez-y, servez-vous. Ok, alors, si c'est bon... Où est quoi? Où est le... Où est quoi? S'il te plaît, peux-tu goûter la nourriture pour que nous mangeons au cas où tu n'as rien? J'en suis sûr, il n'y a rien. Tu vois? Oh non, peux-tu augmenter la quantité? C'était assez petit, augmente juste un peu. Une quantité suffisante pour nous rassurer que... Chérie, tu entends ça? Et? Hey, j'ai bien dit cette affaire. Non, non, non. J'ai dû avaler de travers. Ah, j'ai bien... J'ai... Hey, non, non, non. Voilà, j'ai avalé de travers. Arrêtez de se le faire. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le voilà qui tousse. Je l'ai bien dit. Ah, regarde-le. Hey. Regarde-le. Tu vois? Regarde-le. Hey, dans la mais... Anita. Oui? Monsieur Zikabert. Oui? Baba Eko. C'est Zigabel. Zigabel. Zegamber. Non, non, non. Dis Zigabel. Zigabel. Tu vois que tu y arrives. Mm-hmm. Tiens, je me souviens que toi-même, tu n'aimais pas beaucoup ma femme. Pas vrai? Monsieur, je n'ai pas dit que je ne l'aime pas. Mm-hmm. C'est juste que elle fait toujours la même chose chaque fois qu'elle vient ici. Elle me prive toujours de nourriture. Vous savez, votre beau-frère sait que j'aime beaucoup la nourriture. Mais je vous le redis, moi, je l'aime. C'est une femme correcte. Elle dit la vérité. Mais moi, je ne sais pas pourquoi ses frères et ses sœurs ne l'aiment pas. Parce que même mon patron, Monsieur Femi, mm-hmm. L'autre jour, j'étais ici et il se querellait. Il se querellait? Oui, monsieur. À propos de quoi exactement? Je ne suis pas très sûr, mais je sais que c'est madame qui a causé ça. J'ai entendu quand elle disait à mon patron qu'elle va l'exposer. Pourquoi est-ce que Edith voulait-elle exposer son frère? Monsieur, madame disait que mon patron a un enfant avec une autre femme dehors. Tu dis quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, monsieur. Vous savez. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Même madame Anita ne sait rien de tout ce qui s'est passé. Celle-là est juste là. Mon patron a plusieurs enfants avec beaucoup de femmes là. Un peu partout avant de venir épouser madame. Franchement, je ne sais pas comment madame Edith a découvert ça pour venir confronter mon patron. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle lui a demandé de dire à sa femme la vérité. Qu'il doit lui dire la vérité car ce n'est pas bien qu'un mari mente à sa femme. Mais mon patron n'a rien voulu entendre. C'est comme ça qu'il a continué d'aller voir cette femme tout le temps. Et même quand madame n'est pas là, il vient avec cette femme à la maison. Mais madame Edith n'aimait pas ça vraiment. Elle était fâchée contre mon patron. Wow. Mais moi je dis une chose, quand mon patron se fâche, celui-là n'a aucun contrôle. Il va dire que les gens ne viennent pas s'occuper de ses affaires. Patapata. Il ne savait pas que j'étais caché dans un coin. J'ai entendu quand il disait que si madame le découvre, c'est fini pour lui. Il a dit qu'elle verra son autre visage. C'est ce qu'il a dit à madame Edith ce matin-là. Attends donc, Femi a dit qu'elle verra sa face cachée. Et plus tard dans la journée, elle a été tuée. Patron, je n'ai rien vu, je ne sais pas si c'est lui qui l'a tuée. Faith, Hélène, et maintenant Femi, à quoi est-ce que tu pensais exactement, Edith? À quoi est-ce que tu pensais exactement? Patron, moi-même ici présent, je vous assure, je prie seulement que cette affaire soit finalement résolue. Moi, je vais m'évanouir. Parce que je ne sais pas si je suis la première personne dont le nom va sortir. Les yeux de mon patron sont rouges maintenant. Très rouges. Chut.
J'ai dit, je m'en fous de ce que tu ressens. Je m'en fous qu'ils soient mes frères ou mes sœurs. Je ne veux pas juste être dans leur collimateur. Tu ne le comprends pas? Non! Ils deviennent déjà très suspicieux et je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Écoute, s'ils continuent comme ça, je ne le supporterai plus. Tu dois faire quelque chose. Et tu dois le faire très vite, très vite. J'ai dit que tu dois faire quelque chose. Oui, très vite. Du courage. Bien. Dieu merci. Dieu merci, je suis en vie. Oh, désolé, ça va. Désolé. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Désolé. Hélène, désolé. Nous t'avons retrouvée inconsciente à la cuisine, avec une blessure sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été attaquée. Oh, et j'ai failli y passer jusqu'à ce que quelqu'un commence à venir à l'étage. Celui qui a essayé de me tuer m'a cogné si fort à la tête. Et puis je pense s'être enfui ou quelque chose du genre. Oh Dieu. Vous. Anita, c'est vous qui l'avez retrouvé? Oui. Avez-vous aperçu quelqu'un? Quelque chose ou quoi que ce soit? Pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi quelqu'un voudrait me tuer. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me tuer? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Ce n'est pas juste. Désolé. Ce n'est pas juste. Ça s'est sûrement passé quand nous étions en train de patrouiller de l'autre côté de la maison. Désolé. Personne. Alors personne n'a décidé d'avouer d'être l'auteur de ces crimes? Si à la fin de ce jour, qui est le troisième jour, je ne suis pas encore en mesure de trouver le coupable. Vous irez tous au poste. Hey, 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 monsieur, je n'ai rien fait. Oh. Je n'irai pas. C'est encore quelle sorcellerie, ça. Je n'ai rien fait. Patron, mes 10 enfants, qui s'occupera d'eux, hein? C'est quoi ce genre de problème, hein? Je n'ai rien fait. Et monsieur, lorsque vous serez là-bas? Eh bien, nous pourrons employer la méthode douce ou la méthode forte. Je n'ai rien fait. Oh. Troisième jour. Nous n'avons vraiment plus de temps. Thank you.
C'est quoi ça? Allez, parle-moi, frangin. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Mais je n'ai pas non plus une bonne impression envers ça, tu sais. Où est-ce que tu as trouvé ça? En fait, c'est tombé de la penderie quand je retirais cet vêtement. Alors, je me demande ce que ça peut être. Vas-y. Ça, c'est... Tu es ma sœur. Vas-y. Dis-le-moi, qu'est-ce que c'est? Ça tombe sur ma tête, c'est pas une réponse! Femi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne vois pas où tu veux en venir et je ne sais rien du tout. Tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler? Je ne sais pas. Pendant 5 années, nous avons été mariés. Et pourtant, nous n'avons toujours pas d'enfants. Et en quoi est-ce que ça me regarde? Femi, en ce qui me concerne, je suis très bien portante. Et toi, Femi? La ferme! Tu oses ouvrir ta bouche et me dire cette zite aussi? Pendant 5 années, nous avons été mariés. Et depuis ce temps, tu ne cesses de prendre ces contraceptifs dans ma maison. Tout simplement parce que tu ne veux pas me donner d'enfant. Je n'étais pas prête, Femi. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête? Mais tu étais prête à dépenser mon argent. Tu étais prête à ouvrir un restaurant 5 étoiles. Avec qui? Avec mon argent. Tu étais prête à profiter de ma richesse. Pourtant, tu n'étais pas prête à avoir des enfants avec moi. Est-ce que tu peux t'entendre parler? Je suis désolée. Je suis désolée. Ok, je t'écoute. Pourquoi m'as-tu fait cela? Faire quoi? Tu as voulu tuer ma sœur. Parce que tu savais qu'elle avait découvert ton secret, n'est-ce pas? Non, Femi, non. Tu as voulu la supprimer, n'est-ce pas vrai? Pour atteindre ton but. Je n'ai pas fait ça, non, Femi. Non, c'est pas moi. Femi. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi l'as-tu fait? Non, je ne l'ai pas tué, c'est pas moi. Femi, tu es ridicule. Oh, je suis ridicule. Je vais te montrer ce que c'est être ridicule. Parce que tu vas aller en bas et rester dans le salon jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Oh non, Femi, tu ne peux pas me faire ça. Oh mon Dieu! Tu n'es qu'une idiote, attends, madame. Je vais te tuer. Non, faut pas. Attends, je vais te tuer, tu vas voir. Je vais te tuer, espèce de bête. Attends, arrêtez. Espèce de folle. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu vas voir. Je vais te tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas cette idiote, croqueuse de diamants, qui ne sait rien faire d'autre que de profiter de la richesse des maris des autres. Au lieu de chercher ton propre mari, espèce idiote. Alors tu penses que tout ce que tu fais depuis ces années s'appelle mariage? Reste là, perdre ton temps, Momo. Vas-tu la fermer? Vas-tu fermer ta bouche? Il ne t'a pas parlé de son enfant, n'est-ce pas? Ferme ta bouche. Oh, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi lui dire la vérité. Femi a un enfant. Non, Femi. Il a eu un enfant avant de t'épouser. Est-ce que tu vas te taire? Femi, dis-moi que c'est faux, parle-moi. Et il est resté en contact avec la mère de cet enfant sous tes yeux. Madame, je suis mariée. Femi, dis-moi que c'est faux, n'est-ce pas? Femi. Ce n'est pas vrai. Non, Femi. Dis-moi quelque chose. Parle-moi. Non, Femi, c'est pas vrai. Non. T'as vu ça, mon ange? Ouais. Voilà pas. Je reviens. Et où vas-tu? À la cuisine. Je vais prendre quelque chose. Je ne mettrai pas long. Tu as perdu ta tête? La dernière fois que tu allais à la cuisine, tout assemblé, genre, tout allait... Tout était normal? Voyons, bébé. Il y a des policiers qui patrouillent partout dans cette concession. Tout ira bien. Oh ouais? Les mêmes officiers qui patrouillaient partout dans la concession quand tu as perdu connaissance et que Femi s'est blessée? Allons. Bref, tu pourras toujours demander à l'un d'entre eux d'aller t'accompagner. Bébé, tu t'inquiètes un peu trop. Je sais que je ne te manque pas. Ça va. Ah.
Je veux que tu reviennes, Hélène. Tu ne peux pas juste venir et repartir. Les 4 ans passés avec toi ne sont pas perdus. Si tu ne me rappelles pas demain à mon travail, je ferai savoir à ton mari que la petite fille qu'il aime beaucoup n'est pas de lui, mais de moi. Je t'aime, Hélène Seigneur. Maintenant, explique-moi cela. Explique-moi le message. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce message veut dire? Je sais que certains parmi vous le savent. Qui est le père biologique de cet enfant que j'ai autant aimé comme le mien? Qui va me dire? Calme-toi, voyons ce que c'est. Calme. Avec qui m'as-tu trompé? Ça, ce n'est pas une réponse! Ça, ce n'est pas une réponse! Avec qui? Avec qui m'as-tu trompé? Calme-toi! Calme-toi! À qui est-ce que tu parles? Tu parles? Tu veux parler? Tu es? Est-ce que tu peux parler? À qui est-ce que tu parles? Son nom c'est Fred. C'est un type âgé. Nous avons été ensemble pendant 4 ans. Mais j'ai arrêté. Je ne voulais plus être avec lui, mais il a refusé. Il n'a pas arrêté de me faire chanter et de me menacer. Je ne voulais pas le faire. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. 4 ans, Hélène. 4 foutues années que tu sortais pour faire tes conneries avec lui et tu revenais pour faire la même chose avec moi. Arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Evans, calme-toi. Toi, ferme-la. Allais-tu me le dire? Allais-tu vraiment me le dire? Je ne sais pas. Je t'aimais pas. J'étais vraiment beaucoup, mais je ne voulais pas te faire du mal en te disant la vérité. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Tu es une femme méprisante. Tu sous-entends que tu as eu le courage, la force, après toutes ces années, de me regarder dans les yeux et de me dire que tu m'aimes. Vraiment? Tu es malade. Tous ceux d'entre vous qui cachaient quelque chose dans cette maison êtes malades. Monsieur Evans, s'il vous plaît. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça ne m'étonne pas que tu n'aies jamais voulu que je m'approche d'Edith. Elle était au courant de ton sale secret. Tu avais peur. Tu étais inquiète qu'elle me le dise, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle est morte. Non, moi, non, Evan, ce n'est pas vrai. Non, aidez-moi. S'il te plaît, prends ta défense. Non, Evan, je peux tout expliquer. Evan, il faut juste... Evan. S'il vous plaît, les filles, s'il te plaît, Fif, aide-moi à lui expliquer. S'il vous plaît, Fif, Anita. Pourquoi? Aidez-moi à lui parler. Porte ta croix. S'il vous plaît, aidez-moi, non. Fais, tu peux pas me faire ça. Hélène, Anita, porte ta croix, Anita, s'il te plaît. Oh, ma croix. Fémi, tu peux pas me faire ça, je sais. Je te fais confiance, mon frère. Tu vas aller parler à mon mari. T'as lui parler, s'il te plaît, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, va lui parler.
Je suis finie. Zigabelle, Ziga, je te fais aussi confiance. Peux-tu faire ça pour moi? Peux-tu m'aider? Zigabelle, s'il te plaît, ne pars pas. Oh. Que vais-je faire maintenant? Tout ça, ce ne sont que des conneries. Ça n'a aucun sens. Hein? Aujourd'hui, c'est le 4e jour. C'est censé être le dernier jour. Ma femme a rendu son dernier soupir il y a 4 jours. 4 jours et vous n'arrivez toujours pas à trouver le tueur. Et le tueur ne veut toujours pas se montrer. Je vous donne à tous une heure. Ok? Chaque personne assise dans cette maison dispose d'une heure pour venir ici et me dire qu'il est le tueur. Et si jamais je le découvre tout seul, vous allez me détester de l'avoir découvert. Croyez-moi, je le découvrirai. Et ça, je vous le promets. Assassin, dénonce-toi! Dénonce-toi! Je m'en fiche de savoir qui ça peut être! Attends, ce n'est pas... Ferme-la! Ferme-la! Ok. Monsieur Zigabelle, je la ferme. Tout le monde devient fou! Moi aussi, je deviens folle! Moi aussi, je deviens folle! J'en ai marre de rester dans cette maison pendant 4 jours, c'est quoi ça? Bon sang! Les choses se compliquent vraiment. Faith, peux-tu m'expliquer ça? Je l'ai trouvé dans ta chambre. Mon enfant porté disparu, Femi. Regarde. C'est mon enfant. Hé, reviens par là. Où penses-tu aller? Donne-moi ça rapidement. Qui est cet enfant? Et comment est-ce possible qu'il te ressemble autant? Tu veux le savoir? Vous voulez le savoir? Espèce de sorcière! Donc tu as tué ma femme? Hein? Tu peux me dire ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a... Lâche-moi! Calme-toi, d'accord? Sorcière a tué ma femme! Calme-toi! Lâche-moi! Tu peux me dire pourquoi? Elle a assassiné ma femme! Non! Elle essayait juste d'expliquer quelque chose! Quoi? Elle m'a pas tué! Elle est en train de vouloir me faire une confession! Déjà, elle a assassiné ma femme! Tu vas te calmer! Que je me calme, qu'est-ce que tu racontes? Alors que cette fille... Est-ce que tu vas t'asseoir? Calme-toi! Peux-tu t'asseoir? Calme-toi! Est-ce que je pourrais vraiment me calmer? La fille sur la photo. Et ma fille. Oui, c'est mon enfant. Pourquoi êtes-vous si surpris? Il y a des années, quand j'avais disparu et que j'étais revenue, m'aviez-vous demandé ce qui s'était passé? Mais Faith, ferme-la! C'est comme ça dans cette famille, c'est l'intérêt égoïste. Regardez-nous, des parents aux enfants, regardez-nous! Papa a découvert que j'avais été violée et que j'avais un enfant. Et il était si en colère contre moi qu'il m'a abandonnée. Et il m'a laissée. Je l'ai suppliée parce que je voulais revenir à la maison. Papa a dit non à condition que j'abandonne mon bébé. Papa nous a dit que tu étais perdue. Papa a menti. Il m'a trouvée squattant chez la mère de mon ami. Et il m'a demandé de laisser mon enfant. Et c'était l'unique condition pour moi de revenir à la maison. Thank you.
ont accepté que je revienne à la maison. Bien sûr, vous comprenez la décision que j'ai dû prendre. J'ai dû abandonner mon bébé et je la cherche depuis tout ce temps. Donc j'ai eu de ses nouvelles il y a de cela 2 semaines et c'est pour ça que j'essaye de la retrouver. Oh mon Dieu. Oh. Alors ça va. Et pourquoi tu nous as pas dit tout ça? Pourquoi? Tu aurais dû nous le dire. Afin que vous me jugiez comme vous l'aviez toujours fait. Tout comme tu fais, Edith le savait. Donc... C'est outrageant tout ça. En fait, je veux dire, si nous avons des secrets que nous ne voulons faire connaître à personne, alors, ça veut dire que nous ne pouvons rien faire ensemble. Elle a raison. Faire des choses ensemble. Et bien, j'en doute. Je sais que vous détestiez tous, et dites pour une raison ou une autre. Mais il y a quelque chose qui vous manque tous en tant que famille. Un même esprit et un travail d'équipe. Quelque chose de cette envergure? Faire des choses ensemble? Non. De quoi parlez-vous? De ça. Je reconnais ce couteau. Le couteau plein de sang. Le couteau que je disais avoir vu dans la chambre de fête. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Vous disiez que j'étais fou, n'est-ce pas? C'est le couteau que j'avais trouvé dans sa chambre. J'aurais dû le savoir quand vous avez commencé à beaucoup parler. Qu'est-ce que vous insinuez? Je ne sais rien de ça. Je n'ai jamais vu ce couteau avant. Hé! Hey, tais-toi! Ce n'est pas moi. Ce n'est pas... Faith. Tout comme Edith, vous n'avez pas peur. Et c'est pourquoi vous êtes devenue la prochaine cible du meurtrier. Le tueur de... Hey, j'en ai assez de tout ça! Qui a tué ma femme? Faites votre travail! Commencez à arrêter les gens pour les amener au poste et les questionner! Ok, on a marre! Assez de ceci! Ce n'est plus l'heure des histoires! Hein? Faites votre travail, bon sang! Du calme, Zigabel. Quoi? Est-ce que tu peux te calmer un moment? Il est en train de faire son travail. S'il te plaît, assieds-toi. Commencez à arrêter les gens! Arrêtez les gens! Je dis assieds-toi! C'est ma maison. Je m'en fiche à qui peut appartenir cette maison. Ma femme a été tuée dans cette maison. Alors prends garde à toi. Foutaise. Ta maison, mon œil. Comme je disais... Le meurtrier s'est rendu compte de combien tu serais précieuse en étant en vie. Tu seras à la fois la principale suspecte et une grande distraction. Alors tu t'es battu avec Hélène, et bien sûr, elle a été attaquée. Et... Famille... tu étais juste une grosse distraction. Oh, oh mon Dieu! Vous avez tous été manipulés. Je l'avais juste devant mes yeux en fait. Le meurtrier s'est parfaitement caché de ma vue. Monsieur Zigabel, pourquoi avez-vous tué votre femme? Quoi? Oh mon Dieu! Vous pouvez m'expliquer de quoi est-ce que vous parlez? Qui a tué qui? Hein? Est-ce que ça va là-dedans? À quoi pensiez-vous? Vous vouliez que tout le monde pense que l'arme du crime était hors de cette maison? Vous avez fait passer Femi pour un gros idiot. Quand vous avez caché l'arme du crime et que vous l'avez enlevée. Pourquoi avez-vous tué votre femme? De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Réfléchissez une seconde. Vous avez perdu la raison ou quoi? Pour quelle raison est-ce que je tuerais l'amour de ma vie? Hein?
Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous racontez? Je voulais employer la méthode douce, mais c'est votre choix. On peut employer la force. Officier, ce... Quoi? Dans ma maison? Fais cette chose! Lâche-le! Attends voir! Qu'est-ce que je vais te faire? Et toi, fous-moi la paix! C'est quoi tout ça? Ça se fout, ça se fout! Ça se fout! Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison avec moi? Quelle est cette famille de personnes inutiles où j'ai épousé une femme inutile? Une femme vraiment trop stupide! C'est vraiment dans votre sang! Je ne pouvais vraiment plus le supporter! Je n'en pouvais plus! Vous voulez savoir pourquoi? Salut. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler en ce moment. Mon mari pourrait être là. J'ai bien peur qu'on doive attendre, d'accord? Si je lui dis que je vais divorcer à cause du sexe, il va piquer une crise. Et mon frère ne me pardonnera jamais d'avoir gâché sa fête. Je le sais, je le ferai aussitôt que la fête sera finie, d'accord? Je vais utiliser ce problème de fertilité pour lui dire que je vais divorcer. Tu vois? Je vais l'empoisonner. Tu vois? Il n'est bon en rien, d'accord? J'ai avorté 2 fois à cause de lui. Il n'a pas d'argent pour s'occuper des enfants. Pourquoi voudrais-je garder la grossesse? Il ne peut même pas me faire jouir. Je feins des orgasmes depuis combien de temps qu'ils sont mariés? 3 ans. Je suis fatiguée. J'ai besoin d'être avec un vrai homme comme toi. Tu sais, quand tu me chevauches, quand je le ressens. Oui, je veux le ressentir. Oui. Je t'aime aussi, d'accord? Je suis impatiente de te revoir. Bye bye. Voilà ce qui s'est passé. Pour le reste, vous le savez tous. Oh, bon sang! Zigabelle, comment as-tu osé me peindre dans ce couteau et pourquoi as-tu essayé de me faire du mal? Ton cas était trop facile. Bien. En ce qui concerne Hélène et Femi, leur cas était encore plus facile. Monsieur Zigabelle, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre femme, Edith. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous au tribunal. Emmenez-le, officier. Avancez. Avancez. J'arrive pas à le croire. Maintenant, écoutez. Vous êtes tous libres de rentrer chez vous.
Mais j'aimerais vous donner un conseil. Changez vos habitudes. Rebâtissez vos demeures. Et faites triompher l'amour.